Allez, salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle VOD Hollow Knight sur la chaîne. VOD importante parce que là, en fait, pour vous dire un petit peu, donc on est en live, nous sommes actuellement le 17 décembre, si vous voulez tout savoir. Et en gros, bah, j'ai dit qu'après aujourd'hui, je prenais des vacances en gros, et donc bah, je me reposais un petit peu et je faisais une pause. Ce qui veut dire que, et c'est aussi pour ça que je voulais attaquer par ça, très probablement, vous allez avoir donc bah, du coup jusqu'à aujourd'hui les VOD qui seront diffusés de façon régulière et normale, donc c'est-à-dire un Hollow Knight tous les deux jours et un Silent Hill 3 tous les deux jours jusqu'à la fin du jeu. On a terminé tout ça et tout, on est bien à jour, mais je n'ai pas le temps de terminer Hollow Knight avant de partir en vacances. Ce qui est dommage, mais c'est pas très grave parce que du coup, c'est pourquoi ? Parce que je me suis mis au dessin et ça m'a pris beaucoup de temps la semaine dernière, quasiment 40 heures, et c'était vraiment trop bien et je regrette absolument rien. Mais donc Hollow Knight est un jeu qu'on finira donc en fil rouge durant le début du mois de janvier parce que oui, c'est le dernier live a priori donc de 2019, avec une petite option sur un potentiel dernier live de la décennie qui aura lieu peut-être le 28 décembre, on verra ça. Mais en tout cas, il y aura une petite pause des VOD pendant un moment et ça reprendra en janvier comme il se doit, avec aussi donc Dark Souls qu'on va pouvoir attaquer. Bref, je voulais vous prévenir là-dessus, que vous soyez pas trop déçus ou quoi. Et donc pour le live, bah, je vous le dis aussi, voilà, là c'est le moment important puisque du coup on arrive sur bah, le dernier morceau de live avant les vacances quoi. Donc là, assez émouvant en vrai. Parce que bah, je me suis beaucoup donné ces dernières semaines et vraiment c'était assez incroyable tout ce qui s'est passé. Et en plus on a fait que des jeux trop stylés quoi. Donc là tout s'est enchaîné très vite avec notamment bah, Bloodborne, Death Stranding et tout ça. Et vraiment que des chouettes jeux. Donc bah, du coup aucun regret et vraiment très content de voir où j'en suis, où on en est. Donc vraiment merci pour tout au passage. Et puis on va avancer. Alors là en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai fait mon petit farming. Et donc on va récupérer la lanterne pour pouvoir être éclairé dans les zones sombres. Parce que c'était quand même assez chiant. Et puis, je voulais également récupérer la petite clé simple qu'on a, parce que ça fait un moment qu'elle nous fait de l'œil et on l'a jamais récupérée. Et en même temps, je vois qu'on a ça, donc on va pouvoir la récupérer aussi. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, on avance un petit peu sur les objets, et là, la question que je me pose, évidemment, c'est est-ce que la clé me servira là-bas ? C'est ça, en fait, parce que on a une porte qui est bloquée depuis le début, et je me demande depuis le début si c'est cette fameuse petite clé qui va nous être utile. Oui ! Ah ! Ah ! Ah! C'est-à-dire, il m'a feinté là, j'étais en double dash. Oh! Putain! Bienvenue petit intrus, cela fait un certain temps que je dors profondément ici. Un certain temps, hein? Oui. Et bien maintenant que vous m'avez réveillé, ce n'est pas important je suppose, je pourrais même être en mesure de vous aider. Je suis Gigi, Young Gigi, je dessine Dragon Ball mieux que Yokotaro, que Toyotaro pardon. Et si votre chemin vous a amené jusqu'à moi, c'est que vous allez devoir nécessiter mon aide. Vous voyez, parfois nous abandonnons nos regrets dans ce monde sous forme de taches noires. Si nous refusons de faire face à nos propres regrets, alors l'espoir qui est en nous s'épuise, et les thunes aussi. Avez-vous des regrets peut-être? Laissez-moi vous regarder attentivement un instant, il ne me semble pas subsister le moindre regret en vous, vous avez beaucoup de chance, vous n'avez donc pas besoin de mes services. Ah, donc c'est juste un truc comme ça pour le fun. D'accord, ok. Tout simplement, très bien. Bon ben, je ne juge pas. Alors vous allez me dire, mais où va-t-on? Que va-t-on faire? Alors c'est très simple, deux étapes. Déjà, on peut effectivement aller dans les endroits sombres. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir céder un petit peu tout ça. D'ailleurs, question con, mais est-ce qu'il faut pas que je l'équipe plutôt dans les objets? Est-ce que c'est automatique? Pas sûr. Alors je vais quand même regarder vite fait. Si ça se trouve, ça va avec les charmes. Non. Non, c'est par défaut. Ok, très bien. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça ne prend pas de place, donc on fait ce qu'on veut. Là, on va se téléporter avec notre ami voyageur jusqu'à l'entrepôt de la cité, parce que dans l'entrepôt de la cité j'y suis retourné par le passé pour aller justement farmer et puis récupérer de l'argent et tout ça, et en fait c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait une zone que je n'avais pas fait, et donc cette zone là on va la faire. Alors juste par contre que je me plante pas au niveau de l'organisation, donc on va là-bas et on va là-bas et on descend et on va à droite. Ah mince. Merci Saldel qui a remis le jeu Hollow Knight sur Twitch. Effectivement, on avait fait une petite session Sekiro, histoire de... Un classique. Allez, petit rush qui va bien. La zone, on la connaît par cœur, on sait quoi faire. Quand même récupérer
des points si jamais ils sont donnés comme ça gratuitement. Bon endroit, hein, oui. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir insisté moult fois pour que je fasse Hollow Knight. Effectivement, c'est un extrêmement chouette jeu. Je reconnais que... Là, je suis trop fatigué pour troller, donc je ne troll pas. Je dois reconnaître quand même qu'il y a vraiment du génie dans plein d'aspects, et surtout, il a un goût de reviens-y qui fait tellement plaisir. Vous savez, ce petit truc qui fait que... Tu veux quand même en refaire un petit peu, quoi. Comment on fait, déjà? Comment on fait? J'ai oublié. Ah, peut-être qu'il faut que j'ai chargé ma jauge. C'est pour ça. Zut. On va voir. Mais oui, c'est trop beau, vieille loutre. C'est un jeu qui donne envie de faire des jeux, encore une fois. Pas de Ori en vie. Si, aussi, t'as Skiller. Mais il y a trop de jeux. En fait, je sais pas si j'ai envie d'enchaîner Ori et Hollow Knight. Mais à voir. Faut que je regarde. Après, je sais que Ori, il y a aussi un truc super ouf à faire en succès, un peu rigolo. C'est un jeu qui s'aborde de cette façon aussi. Et non pas qui se s'aborde. Alors, normalement... Ah, bah voilà. Là, on voit les choses. Et là, il me dit qu'il faut une clé. Ah, il fallait juste des géos. Oh, l'enfoiré de jeu. Putain, mais qu'est-ce que je te déteste. C'est tellement le fourbe ce jeu, c'est tellement le fourbe. Il a aucun respect. Il a vraiment aucun respect. Allez. Alors je regarde juste... Ouais. On va retenter la zone magique, hein. De toute façon, j'y crois, dur comme fer depuis qu'on est allé dans cette zone, qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant la question c'est, est-ce que je suis capable de refaire le saut de la dernière fois? Parce que le saut de la dernière fois vous avez impressionné, je le sais, mais c'était chaud, hein. En vrai c'était chaud. Ça se trouve, je suis obligé d'avoir le double saut dans toute la zone, quoi qu'il arrive. Hein. Et là, je serais bien dégoûté, honnêtement. Si c'était le cas, ce serait dommage. Tellement le repos. Ou pas. Fourbe. J'espère qu'après dans le jeu il y a un moment où tu peux quand même farmer les géos pour être tranquille et plus avoir à prendre la tête avec ça. Parce que ça fait partie des moments un peu stressants du jeu quand même, cette histoire. Ouais. Allez, roule. Comment oses-tu oublier la légende? Dranek, c'est... C'est la personne qui peut te parler à peu près toute la vie de Danganronpa, toujours avec autant de passion. Et c'est beau. Alors vous dites que c'est jouable mais faut pas tuer la mouche. Alors j'imagine que vous parlez pas de... Vous parlez pas de ça quand même. Cette mouche là? Mais non. Ça me semble super haut pour elle. Non, c'est pas là.
que là, effectivement, ça me semble très dur. Non, pas là, ok. Ça me rassure un peu, parce que là, je vous avoue que... Je me sentais pas chaud sur celui-là. Donc là-haut. Bah en vrai, c'est le ça me... Je sais pas, ça me plaît. J'aime bien le côté genre... Metroid-like jusqu'au bout quoi. Alors la mouche. Re la mouche. Alors surtout pas. Ah, facile. Ah non, dur. Ah merde, j'ai déjà tapé une fois. C'est foutu. Putain. Faut qu'elle se raise. Mais oui, c'est pas compliqué. Faut faire deux coups et c'est bon en fait. Mais c'est là, c'est fini du coup. Mais tendu. Mais oui, s'ils avaient voulu pas... On va tenter. On va tenter un truc. Hein, je dis pas que ça a marché, mais. Non, ça marchera pas ça. Non, c'est foutu. Ah, je crois que j'ai compris. J'ai compris une subtilité du truc. Oh! Oh oui! Oh oui! Oh là 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 là. Allez, voilà. Magnifique. Bon alors par contre maintenant faut que je fasse pas trop le malin parce que je suis censé avoir un double saut ici. Il faut pas que je crève surtout. Faut surtout pas que je crève. Allez. Oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Attendez, juste au cas où, je vais quand même... Ah non, j'ai pas le choix en plus. Ok. Alors, j'imagine qu'il y a un truc à faire comme ça. Évidemment. Où est-ce que je suis? Couronne de l'honneste. Oula. Pourquoi ça sent le boss? Pourquoi je vais me faire tuer? Et là, le minerai pâle. Je sais pas ce que c'est. Alors, on pourrait avoir envie de... d'aller par là, mais... Mon petit doigt me dit que... On va pas sauter. Ah oui, c'est le minerai pour upgrade. Ah oui, c'est vrai. Mais quel con. Ah. Ah. Ah mais y'a rien ici. Ah y'a rien d'autre que cet endroit là. Ouah, j'ai fait tout ça pour ça. Ah dur. D'accord, enfin genre en mode déçu tu sais, mais en fait c'est stylé. Allez. C'est beau. Let's go. Alors je vais peut-être regarder ce que je suis en train de faire. Et là. D'accord.
Alors le problème, c'est que par contre, tout ça c'est bien beau, mais du coup j'ai peut-être pas fait le bon truc. Parce que là, si ça se trouve, j'ai raté un élément important. Et je sais pas pourquoi tout mon corps me dit j'ai raté un truc important. Donc on va le refaire. C'est pas grave. Non, j'ai rien raté ? Ok. J'aurais peut-être pas dû faire le dash en fait. C'est pour ça que je me dis, ça se trouve j'aurais dû... Ouais, j'aurais dû faire autrement. Bon, c'est pas grave, on va voir. Ah oui, d'accord, si je me laissais tomber, c'était pas... ça changeait rien. Très bien, ok. Bon bah du coup voilà, ça s'est récupéré. Alors maintenant qu'on a fait ça, par contre, c'est l'embrouille. Parce que bon bah j'ai récupéré ça, je suis content. Bien sûr on va y retourner, je suis encore plus content. Mais par contre, je sais toujours pas où aller quoi. C'est ouf hein, mais vraiment je... Aïe, aïe, oh, calmons-nous. C'est l'excitation du skip, exactement, voilà. Non mais trop bien, en vrai trop bien. Ce genre de raccourci, c'est ça le vrai Metroid lag pour moi. C'est quand c'est le skill qui te permet de... Le skill cap, comme dans Céleste en fait, qui te permet de voir des routes que tu voyais pas quoi. C'est ça qui est trop bien. Enfin moi ça me plaît en tout cas. Plus que les pouvoirs, c'est ce que je trouve trop cool. Bon alors attention, parce que là... Ça peut s'avérer un peu compliqué. Ah oui, j'aurais jamais pu sans la lumière celui-là. Fourbe. Ok. Alors là, il y a des choses à voir. Nouvelle zone. Nouveau personnage. Ah! Nouveau boss. Nouvelle zone. La butte cristallisée. Oh le... L'assaut que je me suis pris. Bon ok. Le message est clair. Putain. Donc là la zone a l'air assez compliquée. Hein. Vous dites zone de l'enfer, ouais, bah ouais, ça a l'air effectivement. Y a un petit adji. Les joueurs de Go comprendront. C'était à trois personnes. Y a un petit truc. Mais la zone a l'air intéressante malgré tout, par contre. Juste un peu difficile. Pourquoi je vais là hein? Je me perds mes jambes, mais dans un couloir quoi. Alors essayez de pas mourir par contre. Ce serait quand même dommage. Il est vrai que il existe un banc qui est juste à côté. On va peut-être aller le chercher vite fait parce que je sais pas pourquoi, je sens que je vais galérer et en plus, pire que ça, au-delà de la simple galère qui peut toujours se solutionner, j'ai vraiment l'impression que
On est dans une zone qui est faite pour être envisagée par ici en fait. Que c'est pas un endroit où je vais arriver et de suite bam, il y a un banc qui pop. Et t'es là et t'es tranquille quoi. Donc ouais. Ah, faire des strats de speedrunner c'est cool. Mais après ça m'empêche pas d'avoir un sens de l'orientation de merde hein. C'est... Ok, mais non. Échec. Bon, ça va. Ceux-là qui sont tellement adorables en vrai. Pas du tout agressif ou quoi, c'est la petite bestiole quoi, vraiment. Alors, on peut avoir envie de sauter ici, mais je vais quand même limiter la casse, mais c'est vrai que c'est tentant. C'est très tentant, pour savoir ce qu'il y a en fait. Ah, une nouvelle zone. On est parti. Allez, les raccourcis, enfin pardon, les rallongis, c'est fini. Quel scandale! Quel scandale! Mais quel scandale, terrible! J'arrive pas à la voir. Mais putain! Ok. Un peu trop de stress, mais ça va aller. Ah oui, là le silence qu'en dit plus qu'un long discours, clairement, oui. C'était joli ça. Merde. Ici repose la mémoire d'un traître. Ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis? Examinez. Pour protéger le vaisseau des rêveurs, reste endormi. Monomon, l'érudite, dans ses archives entourées de brouillard et de brume. Lurien, le veilleur, dans l'observatoire surveillant la ville. Hera, la bête, dans son antre au milieu de l'obscurité profonde au-delà du royaume, grâce à leur dévouement, à l'honneste perdure. Location des rêveurs ajoutée à la carte. What the fuck? Petite ombre, ne t'approche pas. Qu'est-ce qui t'oblige à sortir des ténèbres? Qu'est-ce qui l'oblige à retourner dans ce royaume sacré? Un appel d'au-delà des sceaux? Par le vaisseau ou par cette lumière captive? Les sceaux se briseront-ils? Ils ne peuvent être défaits. Mais le vaisseau s'affaiblit, ce fléau rejaillit. Ils doivent être défaits, mais nos sceaux demeurent, nous devons perdurer. Doit être rejeté. Notre devoir perdure, cela doit être fait.
Est-ce que je suis en train d'activer 3 boss vénères? Disparais, petite ombre, disparais, laisse-nous dormir en paix. Ah! Ah! Ce n'était pas prévu. Ah oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Et pourtant, quelqu'un m'aide, alors que j'étais dans les tréfonds des abysses. Alors c'est rigolo parce que ces structures ressemblent étrangement aux arbres. J'espère que je spoil pas un truc trop important en disant ça, mais... Allez, allez, allez. La phase plateforme. Écoutez. C'est un si terrible destin qu'ils vous ont infligé. Vous avoir jeté dans cet espace entre corps et âme. Accepterez-vous leur jugement? Allez-vous périr lentement? Ou bien allez-vous prendre l'arme devant vous et tailler votre chemin hors de ce rêve triste et oublié? Tu le sais. Aiguillon des rêves. Pour charger et frapper avec l'aiguillon des rêves permet à son porteur de passer au travers du voile qui sépare les rêves et l'état d'éveil. Ah, il est trop chou. Ah, vous êtes revenu? Bienvenue dans le monde en éveil. Ces personnages, ces rêveurs, ils ont pris contact avec vous, usant du peu de pouvoir qu'ils possèdent encore, et vous ont traîné dans cet endroit caché. Mais ce talisman que vous portez maintenant, l'aiguillon des rêves, il peut percer à travers le voile qui sépare le monde éveillé du monde des rêves. Les rêveurs eux-mêmes ne peuvent pas se cacher d'une telle arme. Cependant, je dois admettre que cette lame sacrée s'éternit au fil du temps. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions restaurer son pouvoir. Vous n'avez qu'à m'apporter des essences. Les essences, ces précieux fragments de lumière, sont faits dans les rêves. Recueillez-les partout où vous pouvez les trouver et rapportez-les-moi une fois que nous en avons recueilli suffisamment, nous pourrons faire les merveilles ensemble. Illumineur, parcourez ce monde, chassez les essences qui se trouvent là-bas. Rassemblez 100 essences et venez me voir. Oh putain! Vous n'êtes pas très expérimenté avec la voix des rêves. Rassemblez 100 essences avec l'aiguillon des rêves et revenez me voir. Ah, les plantes qui chuchotent et poussent partout, mais voilà, c'est ça. Je le savais, c'était bien ça. Ah oui, d'accord. Donc là, là on est parti pour un moment, encore une fois, difficile. Donc, démonstration. Ah mais ça va. Si ça se récupère de cette façon, c'est plutôt ok. Ça sent le time attack par contre. Alors du coup, si ça va aussi vite, je sais déjà quasiment où sont tous les arbres du début, quoi. D'accord. Merci Bazara, merci beaucoup, et merci à Coran également. Alors là, il y a un truc à faire évidemment. Mais je n'ai plus assez de mana. Mince. Bah là, on est sur Xbox pour la personne qui pose la question. Arrêtez là! Ceux qui trahissent ce royaume sont maudits. Mieux vaut il se reposait ici jusqu'à ce que le temps lui-même s'arrête. Espoir et liberté, je pensais que seule ma force pouvait m'accorder ces choses. Dans mes rêves, je combattais ce fléau à l'aide de mes aiguillons, jusqu'à ce que je retourne mes armes contre notre roi blanc. Quand je me suis réveillé dans ce lieu sacré, j'ai alors compris, ceux qui ont de l'espoir, ils sont déjà condamnés. Avez-vous toujours de l'espoir, voyageur? Avez-vous l'intention de vous enfuir, ou bien allez-vous lever votre arme et nous condamner tous les deux? Ah! Ok. Un peu optimiste.
D'accord, je peux le taper, mais c'est pas la folie. Il a l'air difficile. Bon, la chance que j'ai, c'est qu'il me donne une fenêtre de soins quand même importante pour le moment. Soigner. Allez. Bon, au niveau des soins, c'est très gentil. Ah, il y en a un nouveau là. Donc là, 4 en même temps. You got fire. Ah merde. On repart sur une strat de gnome. Mais arrêtez. C'est le jeu qui a prévu ça, c'est pas moi hein. Voilà. Bah, une fois qu'on a compris, en fait, ça va. Et là... Oh, je peux voir maintenant, ceux qui trahissent le roi sont condamnés à l'instant même où ils lèvent leurs armes. Ne m'appelez pas traître, appelez-moi simplement fou, je sais que vous ne fuirez pas, ou que vous alliez, je vous surveillerai. Et demain. Alors, qu'est-ce que ça me donne, par contre? Ça m'a donné déjà 100 merdouilles pour améliorer mon aiguillon rêve, là. Quelle idée. Ça va vite. Ah, je peux toujours pas le faire. Attends, y a un truc. J'explore, hein, désolé, je découvre, donc effectivement, on n'est pas dans le rythme le plus assidu de l'histoire. Bouclier éthéré. Qui me sert à... Un charme défensif, manié autrefois par une tribu qui pouvait fractionner les rêves. Conjure un bouclier qui suit son porteur et tente de le protéger, d'accord. Ah, le bouclier qui a l'air vénère, ouais. Alors, vous avez rassemblé 100 et 100 souris, pas étonnant que les rêves aient essayé de vous piéger dans cet ancien rêve, peut-être les effrayez-vous, ou bien peut-être qu'eux-mêmes, prisonniers, ils désirent votre compagnie. Dans tous les cas, vous avez encore un long chemin à parcourir. Prenez cette vieille breloque en gage d'encouragement, et revenez me voir quand vous aurez rassemblé 200 essences. D'accord. Ah oui, donc en fait, d'accord, il y a moult de choses à récupérer ici, ouais. Alors vous dites, pour l'attaque, on n'est pas obligé de sauter pour faire l'attaque magique vers le bas, d'accord, ok, je le saurai. Oh, oh, trop bien. Ça, c'est trop bien. Wouah, ça c'est trop bien. Ok. Par contre... C'est bon, j'étais aveugle, maintenant je me porte beaucoup mieux. Alors, je sais plus ce qu'il faut faire. C'était ça. Merci pour la personne.
sent les embrouilles encore une fois cette zone. Ça sent très très fort les embrouilles. Et étrangement, ça sent pas le banc non plus, quoi. Sound design des enfers. Quelle douce agonie. Ah, il faut que je... Ah ouais, ça sèche. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a le banc qui est juste à côté. Donc là, on va pas se plaindre, c'est ok. Bon, ceux-là font mal, clairement. On va les laisser où ils sont, ces ennemis-là, parce que je les sens pas du tout. Ah, peut-être que c'est qu'un raccourci finalement ce que je fais là. Je ne sais pas où je vais. Mais ça a l'air trop bien. Oh putain. La zone a l'air assez dingue. Qu'est-ce que c'est beau, bon sang de bonsoir. Encore une fois, hein, je vous dis, c'est... C'est à cause de ça que ce jeu a le goût de reviens-y. C'est que t'as tout... En fait, il y a un moment où t'arrives dans le jeu et t'as toujours envie d'aller plus loin. Toujours, toujours. Tu dis, je vais plus loin. Et qu'est-ce qu'il y a plus loin? Et qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il y a machin? Et c'est terrible, et ça ne s'arrête jamais. Ouais, j'ai sous-estimé le truc, ouais. Mais ouais, c'est généreux de ouf. C'est généreux de ouf. Mais j'ai sous-estimé de ouf. Donc là, on va respecter un peu mieux le jeu, parce que... En fait, je pensais vraiment pouvoir avancer en tapant de manière un peu soutenue, mais en fait, non. Donc là, je m'en mets sérieux dedans. Alors, on entend complètement un truc qui chouine. C'est pas là. Là. Ah! C'est quoi ça? Ne serait-ce pas des feintes? Trop d'objets destructibles dans le jeu. So dishonest. Donc en fait, il n'y avait pas de bestioles qui pleuraient, je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. Il y a un raccourci ici, c'est sûr. Waouh, wow, mais oh, lui, il doit être chaud. Résistant le bougre. J'explore, hein,
Je regarde un peu tout ce que je peux voir. Ah bah voilà, c'est ça. Oh! Chance infinie. Oh, il y a trop de trucs. J'ai envie d'aller partout, c'est vrai. Quel endroit paisible. C'est de l'action que je veux, des combats, des bruits de fatales, cette sérénité et d'un ennui. Bah vas-y, viens. Oh, sana. Je suis mon cœur, hein. Je vous préviens, là, je joue vraiment en roue libre. J'ai toujours pas vu à quoi ça récupérait ça. Non, mes phrases elles veulent rien. À quoi ça sert? À quoi ça servait? Je sais pas ce que j'ai. Ah merde. Bon, j'y reviendrai hein, dans la zone. De toute façon, on a le téléport donc c'est pas très compliqué d'y revenir. Route d'oubli. Ah! Ah d'accord. Oh, tu m'as surprise. Bonjour, bonjour, entre mon petit cœur, entre et fais comme chez toi. Je suis Saloubra et ceci est ma petite boutique de charme. Est-ce que ce sont ceux du village qui t'ont envoyé ici? Oui. C'est un charmant petit village, n'est-ce pas? Chaleureux, intime et plein de vie. De quoi parlons-nous déjà? Ah oui, c'est vrai. Oh oui, les charmes. Je vois que tu as déjà commencé ta propre collection, pas mal du tout. Je vais t'en montrer quelques-uns à moi, que tu pourras me prendre si tu veux. Ah oui, il y a du taf là. Emplacement de charme. Ah oui, direct. Je prends tout de suite. Donc là encore moult choses à acheter. Très classe effectivement ce petit marchand. En tout cas la boutique de charme, très bon jeu de mots. D'accord, il n'y a rien. J'arrive pas à comprendre exactement où on est, mais je crois que j'ai compris. Mais oui. Comment j'ai fait pour pas le voir? Ah, parce que j'avais ni le wall jump, ni quoi que ce soit en fait pour y aller là. Donc je pouvais pas le faire. Par contre là où je suis un peu grugé, c'est que là, pour retourner dans la zone, bah accroche-toi quoi. Et oui, c'était le tout début en fait ça. Les choses. Si je l'ai bien fait. Voilà. Allez, on y retourne. Regardez ça. Comme si je l'avais fait. Merde. Allez, celle-là, c'est la bonne. Voilà. Alors, c'est vrai que... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. What? Ça veut dire que je peux avoir une nouvelle âme en plus? Ah, pas mal ça. On dirait que ça pleut par ici.
Étonnant. Bon, très bien. Un peu plus d'âme, donc. Allez, on descend. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, il faut quand même voir ce qu'il y a dans les zones que j'ai pas déverrouillées. Il me reste quand même pas mal de choses à voir. Je m'attendais pas à ce que le truc soit si loin. J'ai l'impression que je tue des gens, mais qu'il faut pas en fait. Je suis un être monstrueux. C'est un tiers de cordon ombilical, c'est bon. 2, 3, 1. Enfin, eux, ils ont rien demandé quoi. Et ils se font rouler quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Donc là, on est bien dans la bonne zone. Par contre, moins labyrinthique. Donc, je flaire le truc. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui va se lancer dans un truc compliqué. Parce qu'on a fait la station de la reine, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est la station du roi. Ce qui veut dire qu'il est possible que je prenne la Megamax. On va voir. Là-da. Voilà. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on ne voulait pas. Bon alors là, bien sûr, les gens savent que il y a des raccourcis. Si vous êtes des vrais là, de vous à moi, vous savez très bien comment ça va se finir. Parce que là, vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Et là, je vous dis qu'il faut faire ça. Merde. Ah, je l'ai goûté. J'espérais que ça me fasse un truc ou en mode. Comment dire? Désolé, hein, mais. Pou 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 pou. Non, mais c'est pas grave si vous êtes pas, si vous maîtrisez pas le jeu, hein, c'est. Ah là 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 là. Voilà, c'est comme ça, je pense. C'est comme ça qu'on va terminer cette VOD qui se terminera parfaitement. Et pour les gens qui sont sur le live, du coup, c'est pareil, c'est ainsi que se terminera cette session Hollow Knight. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Pour les gens qui sont sur la VOD, du coup, je le rappelle, donc là, c'est... bon, ça a été coté dans tous les sens, bien sûr, mais c'est les vacances. Donc, pas de Hollow Knight jusqu'au prochain live, donc voilà, je vous serai prévenu de toute façon, je vous dirai tout ça. Pour les gens qui sont sur le live, du coup, ne quittez pas, quand même, j'ai des choses à vous dire avant de partir. Donc voilà, je fais la transition et je reviens. A tout de suite.